bonjour, nous sommes ici au cœur de Bruxelles, au cœur des éditions Les Lombards, et on continue cette visite, cette superbe visite. Je suis ici maintenant avec l'un des anciens rédacteurs du journal Tintin. Il s'appelle Jean-Louis Leschat et il va nous raconter son histoire. Bonjour, le journal Tintin en fait n'est pas né ici dans ce bâtiment, mais est né à la rue du Lombard dans le centre de Bruxelles, d'où le nom de la maison d'édition qu'il a créée. Et ce journal a été créé par un certain Raymond Leblanc en 1946, qui avait envie de créer un journal pour les jeunes. Et comme il était très impressionné par le personnage de Tintin créé par Hergé, il a pensé à appeler ce journal Tintin et le consacrer essentiellement aux histoires de Tintin. Et vous avez ici le tout premier numéro du journal. Ça, c'est le tout premier numéro avec illustré à couverture de Hergé, Tintin. Et ça, c'est la dernière histoire que Hergé a dessinée pour le journal. Le journal a eu beaucoup de succès, de façon inattendue d'ailleurs, parce que dès le premier numéro, ça a été vraiment le boom, le gros succès. Et petit à petit, ils ont quitté la rue du Lombard, qui était devenue trop petite, pour construire le bâtiment dans lequel nous sommes actuellement, et qui est toujours le siège des éditions du Lombard, qui est maintenant... Je sais combien de séries, il y en a quand même pas mal, plusieurs centaines de séries. Merci. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport aux dessinateurs qui venaient ici, comme Hergé par exemple? Hergé est venu les 10-15 premières années où il était vraiment le directeur technique, artistique du journal, et il supervisait de très près ce qui paraissait dans le journal. Puis après, il a créé son propre studio ici à l'avenue Louise à Bruxelles. Les studios Hergé. Les studios Hergé qui s'appellent maintenant Moulin Sarr. Et là, il s'est de moins en moins intéressé. Il s'est intéressé surtout à ses albums plus qu'au journal. Et qu'est-ce que vous pouvez nous raconter par rapport à votre métier de rédacteur du journal Tintin? Parce que j'ai vu votre nom ici. Oui, mais il y avait plusieurs secteurs dans la maison. Il y avait le grand rédacteur en chef qui décidait du contenu de chaque numéro du journal. Puis il y avait quelqu'un qui s'occupait uniquement de ce qui allait paraître en bande dessinée. Puis il y avait moi qui m'occupais de ce qui des reportages du ce qu'on appelait le rédactionnel, ce qui n'était pas bande dessinée, parce que la loi en Belgique voulait que dans tout magazine il y ait un certain pourcentage de bande dessinée, un certain pourcentage de rédactionnel, c'est-à-dire d'articles, de reportages, et c'est pour ça que moi je m'occupais de ce côté reportage. Puis il y avait un autre bureau qui était de mise en page, des illustrations sur certaines pages, des choses comme ça. Il y avait trois grands secteurs. Et qu'est-ce que vous pouvez dire aux jeunes lecteurs des BD, aux jeunes lecteurs de la bande dessinée actuellement? Les journaux de bande dessinée ont disparu, la plupart en tout cas. Il reste, en Belgique, il reste Spirou. Qui était avant le concurrent direct du journal Tintin, mais c'est à peu près le seul qui reste. Mais il y a plein d'auteurs, de nouvelles bandes dessinées, des centaines d'albums qui paraissent. Alors j'engage ou bien à faire de la bande dessinée, ou au moins en lire beaucoup, et si les jeunes ne lisent que ça, au moins qu'ils lisent. Merci, merci, c'est superbe. Jean-Louis Leschat, c'est un moment historique pour moi. Il est une personne qui fait partie de l'histoire de la bande dessinée. Et je suis ici au cœur des éditions Les Lombards en train d'interviewer cette personne, cette fantastique personne. Donc, merci de m'accorder cette interview, cette superbe interview. C'est moi qui vous remercie. Bon retour au Brésil.